Comme très négatif. Comme faisait la marionnette des guignols Peggy la cochonne. Philippe Stocker. Comme je l'indique sur mon répondeur au 06 35 17 65 33 ou au 06 02 34 95 13. Nous sommes le lundi 17 août de l'année 2020. Il est 2h03 du matin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Excellente nouvelle! J'ai donc un add-on de Gmail qui s'appelle MailTrack et hier matin à 5h44, affirmez-vous que le président du conseil général, monsieur Frédéric Bierry, que je salue, ainsi que ma référente RSA Marie-Paul Horn du conseil général du Bas-Rhin, la salue aussi, dame c'est gentil. Vous avez laissé un message sur le 06 35 17 65 33, c'est très sympathique. Mais je suis, mais alors, intimement convaincu que connaissant la situation de surendettement maintenant, vous allez me trouver un boulot au conseil général du Bas-Rhin pour m'aider à payer mes dettes. Hein? Comme Stéphanie Gibaud, lanceuse d'alerte. Préface Julian Assange, emprisonné, parce qu'il a eu le malheur de dénoncer des crimes. Upside down, hein, sur, j'aime bien le 1, ce fait Ségolène, hein, Ségolène Royal, hein, qui a acheté la tour SFR pour 400 millions d'euros. Écologistes, les écolo-bournés, comme on les appelle dans le trial. Voilà. Donc, M. Bierry, Mme Orme, appelez-moi. On dirait Ségolène. 06 35 17 65 33. Proposer un boulot au service informatique. Je suis sûr. Mais alors, I am sure. I am totally sure que c'est un coup de fantomas. Voilà. End of tout, alors mais alors tout right inbox est configuré en mode mèche courte, tout risque de partir. Alors par flot de 500 à mes 13 000 adresses mail existantes, je rappelle, pour quelques 3500 numéros de téléphone mobile programmés aussi. Hein, ça, on peut déprogrammer certains serveurs, on ne dirait pas lesquels bien entendu. Ça, si ça fout le camp, je vous coûte, bah alors là, même pas des millions de dollars, des milliards de dollars. Je n'ai pas le choix. Depuis que je suis en surendettement, depuis que la mafia de la pharmacie, psychotropes et tout ça, là derrière, j'étais. Hein, tout le monde a laissé tomber, alors je pense, et alors je peux le nommer sans qu'il m'en veuille, c'est Dominique Loft hein, qui avait Niversheim, qui connaît cette histoire, qui avait dit, mais Philippe, j'ai vu là sur ton canapé derrière, etc. Donc j'ai encore la bonbonnière, elle est en haut, hein. J'ai les arrêts de maladie, prescription de médicaments, une pile comme ça de tentatives d'extorsion de fonds des huissiers. Les huissiers. Hein, tentatives d'extorsion de fonds avec leur bande sonore, parce que tout venait quand ça arrivait sur la ligne fixe. C'était hein, la pêche. Là. Ça arrivait, tout est dans mon cloud. J'ai filé à plusieurs informaticiens de confiance, comme je l'ai laissé sur le portable hier, du conseil général, qui forcément est encore actif. Et dont il y avait hier les accusés de réception. Normalement, ça devrait attirer sur le téléphone portable de monsieur Diop David, que je salue au passage. Voilà. Madame la préfète du Bas-Rhin, je vous ai hier sur Twitter, quand vous faisiez de la publicité pour le coup 19, mis certainement, c'est quand même vachement plus important.
hein, le lien https://amnesty.fr. Je suis donneur. Cette année, j'ai reçu 2 stylos et 2 sacs Amnesty International. J'en profite pour envoyer cette vidéo à Roland Guézange, Zozange, voilà, de Bofsheim, ancien prof d'allemand, qui ne connaît pas forcément mon histoire, mais à qui j'enverrai tous les liens, afin qu'il la connaisse. Je suis désolé, je suis profondément désolé. Comme dit Carlin, the upper class pay no taxes, middle class pay all the taxes, do all the work, voilà. And la classe d'en bas, ceux qui ont verré ça, ils sont juste là pour vous foutre les pétoches, quoi. Et j'espère bien que vous les fous, parce que moi, vous le rappelle, j'ai failli mourir, hein. J'ai failli me suicider, hein. Les pseudo experts, voilà. J'ai invité depuis assez longtemps le docteur Michel Burger à s'expliquer donc sur le fait qu'il ait refusé. J'ai un document de la part de sa secrétaire quand je bossais chez Rodermund. Donc non seulement j'ai perdu du temps, mais en plus, vous ne vous êtes même pas excusé du fait. Et quand je vous ai demandé d'établir ce certificat circonstancié, vous m'avez dit « Ah, moi j'ai schizophrène ». Ah oui, moi j'ai schizophrène. Hein, schizophrène, c'est Marie-Christine Sacline, aux 2 rue des Dames. Là, je suis désolé. Je balance toujours les grands. Jamais les petits. Parce que les petits, ils n'ont pas le choix. Hein, les petits, ils crèvent la dalle. Hein, à partir du 17 du mois, là, ils sont déjà. Ils sont déjà niqued, hein, ils sont déjà, il n'y a plus de pognon sur le truc, sur leur compte en banque, et puis ils sont obligés de galérer à gauche, à droite, pour finir le mois. Hein. Et le Big Club, hein, ceux qui sont en haut, hein, on n'existe même pas pour eux, d'après Gabriel Lejail, hein, qui est informaticien du côté de Toulouse, là, que je salue au passage, donc, qui développe la jeune, la monnaie libre. Et oui, la fameuse monnaie libre qui devrait, au conditionnel, permettre de continuer à communiquer en cas de krach boursier, qui incessamment sous peu arrivera, puisque Juncker fait tourner la planche à billets. La planche à billets, bon, comme dit Étienne Chouard, que je salue au passage aussi, la planche à billets va donc créer de l'inflation et va donc créer du chômage. On ne peut plus être un chômeur pour un travailleur, pour un chômeur et un retraité. Retraité qui, je le rappelle, source Dominique Michel, que je salue aussi, les banques, par une directive, comme il explique dans une de ses vidéos YouTube, ont racheté tous les crédits à 1,5%. Parce qu'ils ne gagnent pas assez. Hein. Voilà. Et ont revendu ça à des fonds de pension américains et anglo-saxons. Vous travaillez, comme le dit Dominique Michel du syndicat de lutte contre les banques, 2 heures par jour sur les 8 heures pour payer ces gens-là. L'avenir appartient à ceux comme les ouvriers qui se lèvent tôt. Moi, je suis ni ouvrier, je me lève pas tôt. Mais alors, je suis malheureux. Totalement sûr. À la morne, monsieur Biéry, que vous allez trouver un travail au conseil général du banc pour pouvoir payer mes dettes. Hein? Philippe Stocker, fils d'un ancien militaire de carrière, Mathieu Stocker, né le 24-02-2015, redevenu français par réintégration. En 1918. 06 35 17 65 33 06 02 3 4 95 13. C'est aussi valable pour l'addictologue, le médecin psychiatre, lui je les adore. Laurent Carilla, je vous ai laissé et je vous laisserai aussi en lien en dessous de votre vidéo YouTube cette dernière I love you. Je vous aime.